إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chers frères et chers sœurs en islam rapporté par N épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam les genoux كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة لجيه qu'il a envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Tibigod Rosa, pendant les 9 jours de Dhul-Hijjah. Un point Ibn Sunnah qui est attaché dans le mois de Dhul-Hijjah, chers frères et chers sœurs en islam, c'est que les Sunnah l'onu en kina iman, pour nous God Rosa, le premier jusqu'à le 9. Le premier jusqu'à le 9 Dhul-Hijjah. Pourquoi? Parce que, nous, prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tigas de rosa, les 10, nous pas gagnent droit de rosa, qui fait, parce que le 10, c'est le jour de Eid, et nous dit, fin interdit, nous, ben croyons, pour nous, God rosa, le jour de Eid. Fais-nous maximum efforts afin qu'il nous récit God nef rosa, le premier à l'énef. Car certainement, c'est nous-mêmes qui pouvons profiter de dunya d'akabar et d'akhirat. Si nous pas fin capable God tout le neuf, au moins un petit là-dedans ou bien quelques là-dedans. Si toutefois, basant l'oban situation, nous pas réussi God un petit, fait une baisse, un zéfo, qui nous God le rosa le neuf de l'Hijjah, le jour de Rarafa. Parce qu'il y a une récompense spéciale qui est attachée avec sa jeûne. Qui récompense? Rapporté par Abu Qatada radiyallahu an, les genoux qui est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les être questionné concernant le rosa, le jour de Arafat, de là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme réponse, les dit, il y a une expiation, il y a une purification de ban péché de l'année passée et l'année qui peut venir. Subhanallah. Rabbul Alamin, quand un musulman observe sa jeûne le jour de Arafat, il pardonne deux bananes péchés qui sa musulman là fin commettre l'année passée et l'année qui peut venir. Donc, chers frères et chers sœurs en islam, dans quelques jours, il peut venir vers nous. Si Allah fin God nous vivons, fin zéfo, fin mot baisse, afin qu'il nous profite avec sa grande récompense là. De la part de mon créateur, Jazakumullahu khairah.